Donc pour soutenir l'économie et l'emploi, eh bien nous devons également poursuivre et achever le contournement d'Évreux, soutenir la réouverture de la ligne ferroviaire Évreux-Rouen, optimiser les dessertes de transport en commun des zones d'habitat vers les zones d'activité et vers les lieux de formation professionnelle hors agglomération. Nous devons également développer un système de garderie pour les parents ayant des horaires de travail atypiques, comme les 2-8, les 3-8, les week-ends, les horaires décalés. Nous devons également renforcer le très haut débit Internet sur toute la région et bien évidemment pour les entreprises. Valoriser également l'offre de formation, en particulier au niveau des structures universitaires. Enfin, et dernier, enfin, dernier grand chapitre, c'est de soutenir les entreprises, les artisans, les commerçants et l'emploi des jeunes, en favorisant l'émergence de pôles de compétitivité économique, notamment dans les domaines de l'environnement, du développement durable et de l'économie sociale et solidaire. Nous devons développer et aménager une structure d'hébergement et d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Nous devons lancer un programme pilote dans les quartiers classés en zone urbaine sensible de sensibilisation et d'accompagnement dans les créations de micro-entreprises en partenariat avec des opérateurs. Nous devons créer un groupe de réflexion permanent d'entrepreneurs de moins de 10 salariés pour constituer une force de proposition permanente et réactive. Nous allons évidemment créer une pépinière d'entreprises qui permettra de mutualiser des moyens et des locaux pour les jeunes créateurs d'entreprises. Créer également, sous l'égide de la municipalité, des petits déjeuners inter-entreprises pour faciliter les rencontres de chefs d'entreprise et de créateurs d'entreprises. Nous allons constituer également un comité de suivi de l'allocation de la zone franche urbaine, la ZFU, avec la publication d'un rapport semestriel. Créer également une maison de commerce de l'artisanat et des consommateurs. Favoriser la rencontre et les échanges entre salariés, personnes en recherche d'emploi, les entreprises, les partenaires économiques, en créant des journées de l'économie et de l'emploi. Créer et soutenir des marchés de quartier pour encourager la vente de marchandises issues des producteurs locaux. Et puis aussi, bien évidemment, valoriser les bords dit-on sur le plan commercial.